Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode bingo sur The Binding of Isaac. Là, on va faire un nouveau bingo avec une nouvelle grille, forcément. Donc, elle apparaît à droite, là, donc on voit qu'il y a pas mal de nouveaux objectifs, hein, avoir 100 pièces, bombes et machin combinés, map ou compas, empoisonner un ennemi. Il y a des trucs qu'on retrouve, hein, comme les deux objets du chat qu'il y avait aussi dans le bingo précédent. Tuer un méchant mendiant et un gentil mendiant. Par contre, là, il y a en plus satisfaire le mendiant. 6 de vitesse cette fois-ci. 3 pactes avec le diable. Ouais, c'est pas mal. Je vois qu'il y a de la vitesse et des pilules, donc on va commencer la première partie avec Kane. On verra bien ce que ça donne. Et quelle ligne ça nous propose en premier. Alors, cash, on va aller là-dedans. Et deux pilules. On sait qu'avec Kane, elles ne peuvent être que positives, donc elles faibles, parfait. Et Tears Up. Donc ça fait déjà deux pilules différentes. Encore une, et on complétera une case de bingo. Allez. J'ai plus qu'un cœur rouge, faut quand même faire gaffe. Des bombes, c'est parfait. Encore des bombes. Ici on a quoi? Un petit familier. Donc on va prendre. Ouais, pas grand chose dans ce basement 1. Le boss. Alors il y a tué un boss sans utiliser de bombes. Ouais, bah en fait faut le même snipe parce que comment tu veux. Ou alors laisser faire le familier. Parce que c'est sans utiliser de bombes, d'objets sur espace ou alors de tiers. Ce qui me semble un peu compliqué, donc ça on va pas le faire. Alors je vois que le boss est vert. Est-ce que j'ai la case avec un boss vert comme dans la grille précédente? Je crois pas. On a encore battre un fistula ou envie ou teratoma, je vois. Ouh, le cœur éternel qui fait plaisir. Clac. Allez, étage suivant, Curse of the Lost. Encore des bombes. Ça aurait été cool qu'il me laisse un petit speed up pour avoir rapidement la vitesse à fond. Voilà, un de mort. L'autre, il va suivre. Avec un cœur, parfait. Alors, ça c'est nul, je vais pas. Bah non, c'est pas nul. Hop, on prend. Et on va pouvoir faire Fire Homing Tears. Voilà, donc je vais l'utiliser, ça sert à rien, hein. Pas terrible. Mais ça complète une case. Hop là. Continuons, hein. Map ou compas, ça a l'air pas mal à faire ça. Empoisonner un ennemi, bah, ce serait bien que j'ai la trinket Pinky Eye. On verra bien sur quoi on tombe. Encore de l'argent, c'est parfait. Un bloc bleu, j'ai des bombes. Oh, quel con. Et j'ai The Rock dedans, donc un damage up. Par contre, ça fait un speed down. Je peux pas me permettre de pas le prendre. Alors, un super boss. Est-ce que on a la case comme l'autre fois, super boss? Je crois pas. En tout cas, avec le health up et le cœur éternel, je suis pas mal au niveau de la vie. Ce qui pourra me permettre de faire les pactes avec le jab, parce qu'on voit qu'il y a 3 pactes avec le jab, c'est quand même pas négligeable. Un mangeant. Alors ça c'est parfait. J'ai les bombes, donc soit je le tue, soit je le satisfais. On va voir ça. Je vais tenter de chercher la salle secrète et de le faire pop dedans.
Voilà, ça sent la super secrète quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Que des araignées, pas extra. Bon, alors, est-ce que la salle secrète est là? Oui, il y a de l'argent, donc on va utiliser le mangeant. C'est un mangeant gentil, on va essayer de le satisfaire. Et puis si il nous laisse rien, mais bon, je pense pas, vu que j'ai pas mal d'argent, s'il nous laisse rien, on le tuera. Ok. Il donne un HP up, pourtant je l'avais fait pop. Ça, c'est complété. Je l'avais fait pop exprès dans une salle secrète pour qu'il me laisse un item de la salle secrète, mais bon, c'est un peu buggé. Par contre, j'ai vraiment un truc pourri sur espace, faudra que je le change rapidement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le shop, je vais y aller évidemment parce que. Ah, c'est pas mal, Burn Penny. Parce que. Map et compa. Je vais prendre ça et je vais prendre ça. Comme ça, hop! C'est un speed up, c'est parfait. Et j'ai eu mes trois différentes pilules. Voilà, c'est bon. Alors, je suis comment? Niveau vitesse, je suis à 3. Ok, ouais, y a que la portée qui est ridicule. Mais de toute façon, il commence avec une portée vraiment pourrie. Ça, on peut le tenter. Ah. Faut que je regarde, je vois même plus dans le bingo là. Ah oui, satisfaire une salle sacrifice. Ouais. Et bah c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est fait. Par contre, je suis plus qu'à un cœur. Hein. C'est ainsi. On va faire le boss en espérant qu'il me tue pas. Ah, si c'est Headless Horseman, je suis dans la merde. En espérant avoir un petit pacte avec le diable hein, quand même. Parce que en faire 3 dans une partie, bon bah. Au niveau de. Du bonus, ce sera pas un HP up, hein. Cube of Meat. Alors est-ce que j'ai le truc 3 orbitales? Je l'ai pas vu, il me semble. Et pas de pacte avec le diable, dommage. On prend ça et on descend. Ouais bon, là j'ai pas beaucoup de vie, je vais pas m'amuser à aller dans la salle. La salle sacrifice, enfin la curse room pardon. Salle sacrifice, c'est ce que j'ai fait juste avant. Allez, Brother Bobby, aide-moi un peu. Le boss est là. Est-ce qu'on se le fait tout de suite? J'ai envie de dire oui. Hop, une bombe. Merci à Burn Penny. Alors, lui, normalement, il est pas compliqué. En plus, normalement, j'ai pas mal de vitesse. On va utiliser ça pour le fun. C'est vraiment un item en carton, hein, le livre que j'ai, ça, faut bien l'avouer. Allez, un pacte avec le diable. Ça, ça fait un item avec Mum dedans, donc il m'en faut encore un autre et ce sera parfait. Et le diable, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, la brimstone, est-ce qu'il y a shoot beam? Est-ce qu'il y a shoot beam? Je ne crois pas. Ok, il n'y a rien. Et il n'y a pas cut something, non il n'y est pas non plus, donc on va prendre juste ça, ça fait un pacte avec le diable. Et on continue. Donc encore un item avec Mum et encore deux pactes avec le diable et ça fera une case en plus. Il y a les deux items du chat mais... Faut qu'il tombe. Ah non, j'ai oublié, j'avais chargé à Brimstone et j'ai oublié de... De lâcher le laser comme un con. Hop.
Ouais, voilà. Pushpin, ça ne sert à rien. Allez, il faudrait un autre mendiant, un méchant, un gentil, on s'en fout, juste pour dire de le tuer. Allez, crash. Non, je vais garder la viande Penny, une pilule, un speed up, parfait. Alors, est-ce qu'il y a Readbook? Je ne crois pas l'avoir vu. De toute façon, sinon je l'aurais déjà eu avec télépathie fort de mise. Donc pas très intéressant. Hop là. Je vais tenter la salle secrète. Oh, comment mal placer sa bombe. Je vais tenter la salle secrète là. C'est cool, comme ça je peux garder ma clé. Ça, est-ce qu'il y a satisfaire Non, c'est Blood Bank, hein, ouais. Je regarde que je rate rien, mais non, il y a rien. Donc on va se barrer. Ici, My Little Unicorn, ça peut être utile pour éventuellement satisfaire la Blood Bank. On va aller voir ce qu'il y a au shop en espérant que ce soit pas grid et en espérant qu'il y ait la map et la boussole. De toute façon, j'ai réduction Steam donc je pourrais me les acheter. Malheureusement, c'est rien de tout ça. Je vais prendre ça. Je me tâte à prendre le Soul Earth, mais je vais d'abord aller dans la Curse Room. Sais jamais si un petit item du chat ça serait pas mal. Mais non, il y a que de la merde. Je vais aller acheter vite fait le Soul Earth. Bon, ça se remplit pas trop mal. Clac. Qu'est-ce qui serait sympa? Donc, ensuite, faut que j'ai. Bah, ça peut aller vite avec Skeleton Key là, celui que j'ai Pyro, Skeleton Key ou Eudelar. Et j'ai les 100 clés combinées, machin, les. Enfin, que les clés, les bombes et les pièces fassent 100 en tout. Full Clear Sheol, c'est assez facile aussi. Donc, je pense que je vais essayer de faire la première colonne. Mais pour ça, il me faudrait la map ou la boussole. Hop là, ici on a quoi? La force, ok. Oula, il y a eu un léger bug. Ah, je me tâte à prendre l'item de la salle si j'ai qu'une seule clé. Je pense que je vais aller au shop en espérant que ce soit pas grid et puis toujours dans l'optique d'avoir la map ou la boussole. Alors, fistula, ah c'est con, il est pas complet, sinon on aurait eu battre un fistula complet. Envie serait sympa aussi qu'il se montre. Il va se montrer quand je serai pas en bingo évidemment. Ou alors que je l'aurai pas dans la grille, encore pire. Hop là. Allez, un autre mendiant, ça fait plaisir aussi. Une clé, bah, c'est cool. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. On prend. Au moins, je me tromperai plus sur la salle secrète et je vais aussi où est la nouvelle salle secrète. Ok, donc au moins je vais pas gâcher de bombe là. Voilà, je sais qu'elle est là. Alors, est-ce qu'il y a grid dedans? Non, il y a de l'argent, ça fera des bombes. Hop là. Oula, c'était juste. Bon, le shop, on va y aller. Ah, toujours pas grid et la map. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Non, c'est bon, on a dit. Je vais prendre ça aussi. Un range up. Alors, j'ai regardé mes stats.
Je suis à fond au niveau des dégâts, malheureusement. Il n'y a rien, c'est y a que avec la vitesse, hein. Ouais. 6 barres de vitesse. Donc tant pis. Continuons. C'est bien map et boussole, hein. Ou boussole, pas et. Ouais, c'est ou, donc un des deux suffit. Encore fait celui-là, mais pas complet. Fait chier. Allez, une bloodbank. Alors, qu'avons-nous là? Ah ouais, là faut vraiment une bloodbank. Je pourrais me faire vraiment plaisir. Oula, attention. Ouais, c'est pas mal. Oh, c'est même pas le boss. Bon, alors l'arène, il y a quoi dedans? Un petit HP up, je vais faire quand même. Pour un HP up, ça vaut le coup. Étant donné que je dois encore faire des pactes avec le diable, comme je l'ai dit. Bon, l'autre, je l'ai pas fait parce que Razor Blade, ça m'aurait vraiment servi à rien. J'espère que si on a un pacte avec le diable, les deux items seront intéressants. Je vois qu'il n'y a pas avoir un item de la salle de l'ange. Je regarde bien, mais il me semble pas. Donc, vaut mieux dans cette partie avoir le diable. Surtout que c'est en plein milieu la case, donc vu qu'on peut faire des colonnes, c'est assez intéressant de compléter la ligne du la case du milieu. Allez, tu dégages. Une clé. C'est tout bon. Non, pas de bombe là. C'est pas grave. J'ai bien monté ma vie, c'est pas mal. Allez, un petit bonus de vitesse du boss. Peut-être que j'atteindrai les 6 barres de vitesse. Je sais pas du tout. On verra bien. Tête de grid, faut qu'elle me touche. Hop, une clé en plein milieu. Je pense que je vais la prendre. On va prendre la clé. Hop. Alors le boss. Oh, Headless Horseman. Je vais le battre parce que voler ça peut être utile. Enfin, j'ai pas le choix de le battre, mais je vais prendre le cheval. Focus après si j'ai une bloodbank. Ah, c'est délicat. Bon, j'espère que j'aurai un pacte avec le diable qui me donne un item pour voler, comme ça j'aurai pas à me prendre la tête. Voilà. Oh, Krampus, fuck. Donc lui, son item qu'on prendra, ça comptera pas pour un pacte avec le diable, hein. J'ai 600 damage, mais je les ressens pas énormément. Je trouve que la brimstone elle est pas forcément super puissante. Peut-être pas perdre toute ma vie sur Krampus quand même. Clac. Bon, ça sert à rien, mais on va prendre. Ouais, je vais prendre ça quand même. Alors, est-ce que j'ai la vitesse à fond? Non, toujours pas. Curse of Darkness, évidemment, quand je viens d'acheter la map. Gentil, donc là faudra bien écouter parce que avec Spelunker Hat ça fait le son quand il y a la salle se fait prête. Voilà, donc là c'est la nouvelle ou l'ancienne, je sais pas, elle peut être à deux endroits. Ouais, bah c'est pas là, donc c'est la super secrète. Hop. Bon, vas-y, on sait jamais. Ouais, Kane et sa chance. Je vais rentrer là. On sait jamais si y a un item du chat. Bon, ouais. Ça valait le coup quand même. Donc, on continue. Ça
Ça, c'est désintégré. On a de l'argent, on a des bombes. J'ai entendu la salle secrète, je crois. Peut-être là, alors, du coup. Ah, la bombe qui s'est barrée. Ah, est-ce qu'elle est là? Non. On a des araignées. Bon, on va prendre. Il me semble que la salle secrète, elle doit être en haut là. Normalement. Bien sûr, s'il ne déplace pas mes bombes, ce sera un peu mieux. Le one-up. Alors, est-ce qu'il n'y a pas à avoir un mushroom là? Non. Enfin, j'ai pas la bonne grille, c'est con parce qu'on a des items pas trop mal. Ah, les bombes, on prend. En plus, après, si on joue à la Blunt Bank, ça me donnera des pièces. Parce qu'on voit qu'il y a 15 pièces séparées sur le floor, sur l'étage. Enfin, dans une salle. En haut à droite. Ce qui serait intéressant, on va vérifier mes extra grid. Ouais. Alors, est-ce que ça me fera 15 pièces au sol? Est-ce que je ferais pas mieux de me faire toucher? Je me pose la question. Alors, on va essayer de se faire toucher. Vas-y, touche-moi. Bon, on va le tuer, on verra bien. Non, de toute façon, ça aurait pas fait 15. Bah vas-y, mangeant, prends-les. Cœur éternel. Ça fait plaisir. Non, il me laisse rien. Ça, ouais, je sais pas ce qu'on peut avoir mieux. La vie, on s'en fout. Ça, j'ai déjà fait. On va pas refaire. Donc, on continue. Hein. Hop là. Voilà, rien de compliqué. Allez, il faut une arcade absolument. Ah non, j'ai pris le cœur éternel trop vite là. Mais bon, c'est le jeu de jouer là, donc ouais. Pour en temps normal, j'aurais pas fait, mais là, pour le bien de la partie. Ah mais là, tu vas tous les prendre à la fois. Ah. Que je fasse vite pour qu'il y ait plus que 15 pièces. Alors, il y en a combien là? 6, 2, 4. Ah, j'arriverai pas à faire 15. Alors, est-ce qu'il y en a plus que 15? Non, il y en a pas. Je peux pas valider. Bon. Ah, c'est le mangeant qui me fait perdre là. C'est con ça. Ça va one shot le bombe, le boss. Isaac, ça sert à rien. Là, Zermit, ça sert à rien. Ah si, alors Zermit, on va prendre. C'est où? Voilà, parce qu'il y a se téléporter. Voilà, donc on sait que c'est monstre 2. Hop, Zermit, se téléporter. C'est bon. Donc on revient. Hop, on va le faire péter. Ah là là, dommage, parce que là, avoir les 15 pièces séparées, ça aurait pu le faire. J'ai mal joué le coup. Bon, bah, on sait qu'on aura monstre 2, du coup, hein, forcément. J'ai dit que j'allais prendre. Non, pas ça. Voilà, Hype Retress, ça me convient un peu mieux. Je pense pas que ça va le one shot. Ouais, surtout que ça rate. Bon bah ça va être Brimstone contre Brimstone. Hein. Allez là, il faut vraiment que j'impacte avec le diable. Et un bon. Mais bon, on a eu Krampus juste avant, donc... Oh, ok, je me prends un coup.
Pas de pacte avec le diable et Squeezie. Donc je vais regarder mes stats, mais je pense pas que... Curse of the Lost, d'accord, donc je toujours pas vitesse de déplacement à fond. Un fistula mais pas complet. Ah. Bon, il m'a ouvert la salle secrète. Qu'est-ce qu'on a dedans? De l'argent. Bah vas-y, prends. On verra bien si je tombe sur Skeleton Key ou un truc intéressant pour avoir... Ah bah il me laissait quelque chose, j'ai pas vu quoi. Ici, pas de problème. Je dis pas de problème et je me prends le coup. Maggie's Face. Ah, ça pourrait être intéressant. Allez, donne-moi des bombes là. Safety cap. Je garde des burns pénis, les pilules, j'en ai déjà eu 3 différentes. Pas trop besoin, même si c'est vrai qu'avec Kane en temps normal je l'aurais fait évidemment. Mais là le but c'est de remplir les cases du bingo. Allez Brother Bobby, tu peux le faire. Ici, on a encore la Blood Bank avec l'autre qui va me casser les reins. Moi que je joue vraiment très très vite, je sais pas trop. Allez. Il y en a combien à part? Alors. Ouais, j'arriverai jamais tant qu'il est là. C'est lui qui va me faire perdre mon truc satisfaire Blood Bank. Un speed up, pourquoi pas. Non, 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 pourquoi je l'ai fait péter? Ah, le vieux réflexe. Bon, c'est pas gênant, continuons. Moi je pense pas que dans cette partie je réussirai à aller à 100 sans bombes, clés et pièces combinées. On va aller voir ce qu'il y a là. Un item qui me permet de voler, donc malheureusement ça compte pas comme un pacte avec le jab parce que j'ai pas payé pour l'avoir. Mais bon, c'est cool parce que maintenant je peux abandonner le cheval. Je vais regarder ma vitesse, peut-être que je suis à fond maintenant. Non, toujours pas. Empoisonner un ennemi, toujours pas fait. Qu'est-ce que je pourrais faire encore? Deux items avec le nom de Mum. J'ai eu Mum Thunderwear, ça c'est sûr. Maintenant il faudrait un autre truc. Alors là, il n'y a rien. Super. Oula. Allez, brochette. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Samson Lock, ça sert à rien. Il n'y a pas Cut Something. Non. Ah. Ah, il y a Satisfaire au Blood Bank. Putain, je suis con. Bah, je l'ai fait ça tout à l'heure. Je l'avais pas vu. Je vais le faire après. Parce que j'avais la machine. À don de sang là. La machine portable. Donc, je suis con en fait. Je pensais trop aux 15 pièces séparées sur le sol, mais c'est vrai que je pouvais faire d'une pierre deux coups, donc ça que je l'ai fait à l'étage précédent, mais j'avais pas mis à jour, hein, donc je précise. Donc maintenant je pourrais full clear Sheol, et après soit avoir les sons... Ouais c'est pas mal, là je pense que je vais faire soit la colonne de gauche, soit la dernière ligne. Mais bon, ça faudrait qu'il y ait un méchant mendiant, ça me sauverait un peu la vie. Que je le tue tranquillement. Ouais, pas de problème. Allez, lui, on va bien jouer, on va attendre qu'il soit près du bloc bleu. Voilà. Et on va au shop. Alors, je vais quand même prendre la pile pour après. De toute façon, il n'y a plus de shop. Et puis, je pense pas que j'arriverai à 90, à 100 trucs combinés, à moins que je tombe sur... Bah soit le dollar, soit Pyro, soit Skeleton Key, on verra bien, ça peut tomber, on sait jamais. Allez, un autre objet de Mum. Ouais, y'a rien de... Je vais quand même voir à droite, ça m'intrigue. On sait jamais, hein, faut que je fasse des salles, parce que s'il y a un méchant mendiant
peut le tuer. Et un gentil aussi, vu qu'il y a les deux cases du bingo, hein, donc on va profiter là, faut vraiment démonter gens. Heureusement que j'ai pas Golden Poop ou Gold Key parce que je suis pas tombé dessus. Un Elfab, ça fait toujours plaisir. La super secrète. Ah, j'ai mal géré mon coup, j'ai posé la bombe et soit je me prenais une explosion, soit je me prenais le coup de l'ennemi. J'ai préféré me prendre le coup de l'ennemi, le cœur éternel. C'est bon. Allez, parce que là il faut un pacte avec le jab à tout prix. Moi, j'aime pas ces ennemis là. Allez, clac. Là on regarde par curiosité. On va pas le faire. Attendez, est-ce qu'il y a une pub qui va bloquer tout le truc? Voilà. C'est reparti. Toujours avec mon cheval, hein. Je pense pas que je pourrais le virer du coup. C'est con vu que j'ai l'objet qui me permet de voler, mais bon, si je l'ai pas eu avec impact avec le jab, c'est un peu con. Je vais garder ma burnt penny. Les items du chat, je pense que je peux me gratter dessus, mais là il y a moyen là, d'avoir soit un méchant mendiant, soit d'avoir les 100 pièces clés et bombes combinées. Allez, on va faire même. Clac. Oh non. Oh là, je déteste la brimstone. Oh là 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 là. Voilà, parfait. Le seul avantage, c'est piercing shot. Vas-y, explose, t'as raison. Allez, avoir les 6 barres de speed, ça m'arrangerait aussi pour le coup. Oh mince, quel con. Allez, t'es morte. Pigeon Boy. Est-ce qu'il y a plus que 15 pièces? Bah non. Une pilule, un health up, c'est pas mal. La Polaroid, bon, ça va servir à rien la Polaroid. On continue avec la bande de Penny. Alors, je vais regarder mes stats. En tout cas, Curse of Darkness, toujours. Ah mince, il y avait le bruit de la salle secrète. Là, pas de problème. Alors, est-ce qu'elle est là? Bon, oh, allez, un petit mendiant méchant. Ça serait cool. Bon, là, je vais prendre, hein, de toute façon. En même temps, il peut peut-être me laisser la carte Judgment. Le méchant. Comment elle s'appelle? Le Bumfriend, voilà. Ah bah elle est pas là. Alignez-vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans la super secrète? Troll bombe. Et j'ai toujours pas vu le diable, hein. Ça fait chier. Toujours pas de deuxième item avec même dessus. Alors, une carte. Non, Death, c'est pas ce qu'on veut. Ok. Si j'ai la pilule bas de gaz, je pourrais empoisonner un ennemi. Faut que j'y pense à ça. Allez, c'est parti, le boss. Ouais. La version chiante de Daddy Longlegs. Je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est pas Teratoma, lui c'est Triacnide. Voilà, un truc du genre. Un boss un peu chiant. Voilà, je me prends un coup magnifique.
Voilà. Et pas de pacte. Alors là, c'est pas faute de vouloir en faire, mais ça tombe pas. Curse of the Lost, magnifique. Encore un item qui me permet de voler, mais ça me sert à rien. J'ai le cheval et j'ai comment ça s'appelle, je sais plus. Scary, non, Spirit of the Night, voilà. Une pilule qu'on connaît pas. J'en aurai plus que 3, ça c'est sûr. Alors elle fait quoi celle-là? Pas de gaz. Bon bah si je l'ai encore, je pourrais empoisonner un ennemi, c'est toujours ça. Le cœur éternel, bah dis donc, ça tombe beaucoup les cœurs éternels hein, dans cette partie. Ici on a quoi? Une machine bleue. Ouais, je vais jouer pour espérer avoir une carte Judgment ou alors la Trinken qui me permet d'empoisonner les ennemis. The Emperor, ouais. Ça me servira pas à grand chose. The Emperor, ça me servira peut-être plus. Une carte Two of Heart. Ouais, Kane a vraiment beaucoup de chance aux machines. Hein. C'est ça l'avantage. Par contre, j'aimerais bien qu'il me laisse la Trinken que je veux. Une carte encore, c'est quoi? Non, c'est pas The Emperor, c'est quoi là? Il y a deux The Emperor ou quoi? Voyons voir. Non. The Emperor, The Emperor. Engenman, ouais, ça sert à rien. Et The Empress. Le Red Patch, pourquoi pas? Pas la trinket que je veux. Cordon ombilical non plus. Allez. Soit une pilule bas de gaz, soit le truc pour empoisonner. Là, c'est quoi? Petit Judgment. High Pretress, non. Soul Earth, pas trop besoin. Soul Earth, pas trop besoin. Soul Earth, pas trop besoin. Et un truc qui pue. Bon, bah tant pis. Je l'ai posé trop loin. Ouais, ça s'est vu. D'extraordinaire. Continuons. De Gutoni. Je peux me laisser le cœur qui sert à rien. Bon, il me le laisse pas, comme ça on est tranquille. Et là, un mangeant version normale. Donc il y a bombe normale Vegar. Clac. Ok. Un survivant. Voilà, là il est mort, donc c'est bon. On fait chéol et on aura fini le bingo. Donc là on sait que c'est pas le bon chemin. Ouais, je vais même pas me prendre la tête. Je vais prendre l'empereur. Qu'on a en deux versions il me semble. The Empress. Ça c'est l'empereur avec la fiche aide, on s'en fout. Allez, on prend. Allez. Oh non, la brimstone qui est pas sortie, voilà. Allez, les bombes. Allez, monstro. Clac. Hop, 9 bombes. Ouais, les zombies avec la brimstone, c'est vraiment pas dur. Ah non, j'ai raté là. Il y avait pas Scatol, tiens, je pense à ça, il y avait pas Scatol dans le bingo. Pourtant, elle y est assez souvent. Enfin, cet objectif, il y est assez souvent d'habitude. Tiens, mange une bombe, toi. Voilà, ça va le faire. Par contre, il faudra que je fasse tout Sheol, parce qu'il y a marqué full clear Sheol, hein, donc c'est faire toutes les salles.
Allez. Voilà, donc pas se tromper, on va hacher all. Voilà. De toute façon, il faut tout faire. Non. Il y a de l'argent, donc bien. Ah mince, j'ai pris la fiche, j'ai plus le... Ah, j'aurais plus de bombe, c'est un peu con ça. Ok, donc pas de fistula. Que de Loki. De toute façon, ça a rien d'utiliser les bombes pour se barrer, faut vraiment full clear, hein, donc faire toutes les salles, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Allez Loki, tu meurs. En tout cas, je suis vraiment bien niveau vie. Ça, je peux pas me plaindre. Bon, je vais laisser au monde genre maintenant, j'ai plus que ça. Ah, un petit fils celui-là. Parfait. Ça remplit une case, mais bon... on sait que c'est pas la ligne qu'on va compléter, parce que là, vu où c'est placé, ça m'étonnerait que je fasse trois pactes avec le diable. Surtout, il y a battre... Isaac, et là on n'y va pas, donc c'est sûr qu'on fera pas ça, mais bon, ça complète une ligne, hein, ça fait toujours plaisir. Allez, tu meurs, voilà, et donc on a, hop, ça c'est fait. Encore health up, purée. Je sais pas combien de plus health up j'aurais eu, mais j'en aurais eu pas mal. Ici, je peux pas aller dans la super secrète. Ouais, et donc là, il faut que je fasse full clear, faut absolument qu'il me pète dessus, en fait, alors. Vas-y, là. Voilà, parfait. Comme ça, on est entré dedans, et je refais la salle. Ça, je suis sûr d'avoir vraiment l'objectif full clear. On continue, en espérant ne pas tomber pour une fois sur le boss tout de suite, hein. Ouais, les zombies, c'est facile. Avec la brimstone, hein, sinon, c'est pas les plus simples. Oula, ouais, eux ils volent. Attention. Avec la brimstone, l'avantage c'est que je peux me mettre loin d'eux. De toute façon, c'est pas la salle du boss. Le cœur éternel, bah dis donc. J'en ai au moins 3 ou 4, je crois. Une partie de fou. Bon, ça, bim, brimstone, c'est facile. La clé qui sert à rien. Allez, une petite bibliothèque avec un Book of Belial, je dirais pas non. Je vais regarder mes stats. Ouais, toujours à fond au niveau des dégâts, la portée à 2, mais bon, avec la brimstone on s'en fout un petit peu, surtout qu'il n'y a pas de truc avec portée à 6 barres, donc on s'en fout. Voilà, je me suis fait avoir. Et des fois il y a un objectif aussi, c'est avoir 12 coeurs il me semble. Bon là je l'ai pas, mais sinon je l'aurais atteint depuis un petit moment, je crois. Ouais, ici on a quoi? Ouais, celle qui va aller vite au moins. Bon, j'aimerais bien une petite bombe pour la mettre sur Satan. Ici. Non, ne pas prendre les pièces. Surtout, ne pas prendre les pièces. Oh. Allez, donne-moi une bombe, donne-moi un truc. Voilà, il n'y a qu'à demander, faut demander gentiment. Alors, 2 slots qui peuvent me laisser Bob's Rotten Head, je serai pas contre. Allez, tiens, je te fonce dessus. Truc que j'utilise jamais avec le cheval, alors que depuis tout à l'heure j'ai la batterie qui me remet à 2. Allez, The Joker peut-être. Go first. Grosse sécurité là vraiment. Ah bah parfait, il y avait vraiment un fistule là, disons là. Je peux la compléter 2 fois la salle. Oh, vas-y, touche-moi, je m'en fous en même temps, grid. Le mangeant va se faire plaise. Oh, le nombre d'ennemis qui explose. Oh non, la brimstone qui a pas parti. Aïe aïe aïe. En tout cas, je me fais bien toucher comme il faut. Voilà, on va tuer Grid qui est
de loin le plus dangereux. Oh, c'est long avec la brimstone. Voilà. Alors on a quoi comme carte là? The Moon. Oh, ça sert à rien. Mais ça aurait pu me servir pour me téléporter d'un combat du boss si je l'avais pas déjà fait, mais je l'ai fait depuis un bon moment. Allez, prends la pièce. Donne-moi un truc. The Fool, ouais. Pareil, pour me téléporter. Ok, rien d'extra. Ici, on a quoi? Voilà, deux Book of Shadows. Bon, si, autant le prendre, j'ai envie de dire. Parce que le cheval me sert vraiment à rien. J'ai deux items qui me permettent de voler sans le cheval. Allez, encore 7 salles. Hein, dont le boss. On va déjà aller dans la super secrète et... Oh, encore une salle comme ça. Bon, allez, vas-y. En même temps, il se recharge en 3 salles maintenant, mon Book of Shadows, avec ma batterie, là. Allez, lâche ta brimstone, voilà. Oh, c'est super long à charger, hein, c'est vraiment affolant. Mais bon, c'est bien pratique pour faire piercing shot et pas se soucier de notre portée, ça faut bien l'avouer. Oh, magnifique, le dernier coup à la fin. Bon, Brother Bobby sert à quelque chose, tue-le. Personne même ici. Allez, vas-y, mon petit mangeur, donne-moi. J'y crois encore à la carte. À la carte magique. Tease de ville, un petit quelque chose, des bombes, des cœurs, et c'est tout. Et bah, toujours pas le boss, bon bah, pour le coup, c'est pas voulu, mais c'était prévu de tout le clear chez Hall, mais on va quand même le faire sans le vouloir, hein, vu que je tombe à chaque fois sûr. Alors ça, est-ce qu'il faut que je le fasse? Je sais pas, dans le doute, je le fais. Je pense, hein, vu qu'il faut faire toutes les salles. Ouais, je vais utiliser le Book of Shadows, sinon je vais me prendre des coups. De toute façon, il sera rechargé assez rapidement. Et deux petits monstros, tout simple. Ma bombe qui en touche aucun, ça c'est bien joué. Bon, je pense que ce bingo là sera plus rapide que le précédent. En même temps, avec Kane, j'ai tout eu en une partie, hein. C'est plutôt bien tombé. C'est con parce que si ça avait été ah bah la clé dorée elle tombe mais elle est pas dans bingo. Si ça avait été skeleton key, enfin qu'il y avait un item skeleton key dans l'arène, ben j'aurais eu deux lignes, un double bingo, enfin une colonne et une ligne pour être précis, en faisant full clear chez Hall. Allez, famine, c'est pas le plus compliqué. Alors là on a quoi? Ah, un item du chat. j'en ai pas eu avant donc ça sert à rien. Une pilule. Télépiles. Magnifique. Allez, on se retape le chemin. Et l'autre pilule, je sais plus ce qu'elle fait, mais bon, de toute façon je vais aller chercher mon tout à Furt pour vraiment être sûr de finir ce bingo. Pas très compliqué la dernière ligne, enfin faut quand même tomber sur deux mangeants minimum vu qu'il faut en tuer un et en satisfaire un autre. Alors, non, de toute façon la vitesse était pas off, donc ça fera pas une case en plus. Allez, c'est parti pour Satan et on aura full clear chez Hall. Non, ça pète juste avant, dommage. Je vais essayer de garder mon livre pour la troisième phase. Ouais, normalement je suis assez puissant pour pas me faire avoir au corps à corps. Enfin, quand il me chasse. Voilà, alignez-vous, moi ça m'arrange, hein. Deuxième phase. J'ai plus de bombes. Voilà, brimstone, tu rêves, mec.
double brimstone, pareil. Brimstone, bon vas-y, continue. Voilà, ça par contre tu risques de me toucher un peu plus. Moi j'ai vraiment une bonne vitesse, hein, c'est vraiment simple à esquiver. Voilà, je dis ça, je me prends un coup, j'en étais certain. Bon, de toute façon, avec le nombre de soul earth que j'ai derrière, je suis vraiment tranquille. Voilà. Allez, on utilise le book of shadows pour essayer de se faire péter près de faire péter ça près de ses sabots vu que ça fait des dégâts monstres. Allez. Non, il a pas voulu péter celui-là. Voilà, il va péter maintenant. Non. Ah, oh, on voit mes cœurs, donc j'en avais moins que ce que je pensais. Enfin, ça va quand même passer largement, surtout avec mon Two of Heart. Voilà, et on aura fait clear chez Hall. C'est parfait, hop. Et bingo. Donc voilà, bah, j'espère que ce bingo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis ciao à tous.